Nous avons effectivement le plaisir d'accueillir, comment dit-on, une voisine ? Parce que vous êtes chez vous ici à Autun, Isabelle Jarry. Oui, en principe ça marche. Allez-y, en principe ça marche. Là ça marche. Oui. Je suis voisine juste à côté, j'ai une maison dans la Nièvre, mais tout près. Depuis toujours ou vous êtes tombée amoureuse de la Nièvre grâce à Autun ? Non, en fait, est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Pas trop ? En fait, j'ai une maison de famille dans la Nièvre, près de Château-Chinon, donc je connais très bien l'autre versant de l'autre côté de la frontière entre les deux départements. Il y a une frontière avec des barbelés, non, quand même pas. Heureusement pas. Non, mais c'est différent. Oui, puis bon, il y a le Mont Beuvray. On est dans une autre région quand même. La Nièvre, c'est plus sauvage. Ouais. Ici, on est dans la Bourgogne. On entre dans la belle Bourgogne opulente. Et alors, vous écrivez dans cette maison ? C'est là que vous écrivez en partie ou pas ? Oui, j'aime beaucoup écrire à la campagne. Et j'ai un petit cabanon au fond de mon jardin où j'ai fait mon bureau. Et c'est très agréable. Et c'est là que vous avez écrit Une Paradisium ? Où est-ce que vous l'avez écrit ? Ça, c'est intéressant. Je l'ai écrit en partie dans cette maison, mais surtout à Paris. Surtout à Paris. Ouais, Alors c'est une histoire sombre, on peut presque dire plus que sombre, c'est une tragédie au départ ce livre. Enfin, l'histoire est quand même tragique. En fait, ça commence par une tragédie. Ça commence mal, mais c'est pas ça dont... Enfin, c'est pas le sujet du livre en fait. Le sujet du livre, c'est plutôt les relations entre frères et sœurs qu'on établit entre parents et enfants, entre générations, ce qui se transmet. En fait, sauf que oui, bon. Oui, allez-y, pardon. En fait, ce qui se passe, c'est que ça commence. On peut le dire. Ça commence dans les premières pages du livre. Ces quatre frères et sœurs qui sont des jeunes adultes et qui découvrent que leurs parents sont morts dans des conditions tragiques puisque leur père a tué leur mère avant de se suicider. Donc évidemment, elle raconte ça d'une manière extrêmement légère. Non, mais c'est le point de départ. C'est un drame, bien sûr, mais finalement, on ne va pas tellement traiter de ce sujet qui, bon. C'est en filigrane dans tout le livre, puisqu'il y a quand même un mystère. Que s'est-il passé ? Mais c'est pour moi l'occasion de parler de personnages qui sont de cette fratrie et de les prendre à ce moment précis et d'évidemment créer quelque chose d'intense. En fait, c'est ça qu'on fait quand on écrit un roman. On condense tout ce qu'on a à dire et on suit chacun dans son itinéraire sur un parcours de temps très court, puisque ça va jusqu'aux obsèques. Voilà, mais donc, c'est peut-être aussi parce que les circonstances sont exceptionnelles qu'il y a ce condensé, en fait, que ce condensé est possible. Oui, et puis d'abord, les frères et sœurs doivent trouver très vite une solution. Ils n'avaient évidemment jamais pensé à la mort de leurs parents, qui sont encore assez jeunes. Donc, et surtout pas de cette manière. Et surtout pas de cette manière. Donc il y a ceux qui voudraient savoir, d'autres qui ne veulent pas savoir, d'autres qui veulent les enterrer, d'autres qui ne veulent pas les enterrer. Donc il y a toutes ces questions qu'on a tous un jour à affronter par rapport à la mort de nos parents en particulier. Et puis il y a aussi tous les liens entre eux qui ressortent, les liens d'affection, les liens de rivalité, les liens de fraternité. C'est aussi chacun par rapport à sa propre vie. Oui, voilà. Donc, on suit chacun dans sa vie familiale, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle. Donc, on a quatre itinéraires qui se croisent et qui se trouvent concentrés et regroupés à ce moment du livre. Voilà. Les personnages, pour vous, c'est quelque chose d'absolument essentiel, presque plus que l'histoire. Oui, oui. C'est vrai que surtout dans ce livre où il y a quatre personnages principaux, c'est rare d'en avoir autant. D'habitude, j'en ai un, deux, mais quatre, j'avais jamais eu autant de personnages. Et ils étaient d'ailleurs super présents pendant toute l'écriture du livre. Ils me prenaient beaucoup de place. Et je pense que là, j'ai vraiment travaillé les personnages parce que je voulais que le lecteur soit pris par la main par les personnages et qu'il se laisse complètement emporter à la suite de... Enfin, je pense que c'est vraiment... c'est moi un travail en tant que romancière, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on rend le personnage crédible, vraisemblable, et surtout comment le lecteur peut à la fois se reconnaître dans le personnage, éventuellement s'identifier, mais en tout cas entendre la voix qui est déjà en lui. Comment il y a cet effet miroir, mais on fait tout ça quand on lit un roman. On est dans ce rapport soit il est complètement comme moi, ou je suis pas du tout comme ça. Donc ça, c'est intéressant en tant qu'écrivain de penser à la manière dont le lecteur appréhender le personnage. À l'évidence, il embarque le lecteur, ce personnage, mais est-ce qu'il embarque aussi l'auteur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous surprend quelquefois ? Oui, ça c'est sûr. Et malgré vous ?
Mais il existe malgré vous ? Oui, en fait, c'est très étrange à dire, hein, mais bon, ça, beaucoup, je ne suis pas la seule hein, à dire que le personnage, au bout d'un certain temps, et parfois même assez rapidement, prend son autonomie. Et en fait, on a beau être le créateur du personnage, à un moment, c'est, pas comme si, c'est comme si vous échappez, comme si réclamait le droit à l'existence. Et plus vous le rendez vraisemblable, plus ça arrive. Plus le personnage, non seulement... demande son autonomie, mais même l'apprend. Il ne demande même pas la permission. Et moi, je suis assez laxiste dans la vie avec les personnages. J'aime bien leur laisser une certaine indépendance. Et s'ils ont des propositions intéressantes à me faire, je suis prête à les entendre. Donc, c'est une négociation de chaque instant. Et parfois, ils me mettent même sur des pistes... que je trouve plus intéressante que les miennes, et je suis leur... Alors, le problème, c'est qu'à la fin du livre, on se sent soudain très seul. On a l'impression... Enfin, ils vivent encore pendant de longues semaines, ils m'accompagnent, ils sont là, et tout ça, c'est très étrange. C'est quelque chose d'assez mystérieux, que j'explique pas vraiment, mais c'est... Voilà, c'est comme s'ils existaient vraiment. Oui, sauf que vous dites ça, comme s'ils existaient vraiment, parce que vous êtes... un véritable écrivain. Mais non, je ne crois pas. Non. Je pense que pour beaucoup de lecteurs, oui, non, des personnages qui nous ont beaucoup marqués sont aussi vivants que des gens qu'on connaît. Non, je suis d'accord, mais du point de vue de l'écriture, quand vous écrivez, ils vous embarquent parce que... Oui, bah, oui, bien parce sûr. Parce qu'il y a l'écriture quand même qui, ah, mais oui, qui bien est un sûr. Médiateur, là. Enfin, un support, je ne sais pas comment appeler ça. Alors, c'est, en fait, je pense que l'écriture les fait vivre, en fait. C'était très bizarre. Je pense que c'est par le truchement de l'écriture que le personnage devient vivant. Mais en même temps, c'est aussi parce que l'écrivain s'attache à raconter un moment concentré. Et ça, c'est vrai dans les grands romans, tous les romans, que ce soit les romans de Dostoïevski, les frères Karamazov, les romans de Flaubert, Stendhal, le personnage est présenté, on échappe, tout son quotidien disparaît. Là, on a l'essence de la personne. Et quand on écrit, c'est ça qu'on cherche, en fait, à dégager l'essence. Et c'est pour ça que c'est une sorte de concentré d'humanité dans ses défauts, ses qualités, etc. Mais ce côté concentré, je pense que c'est ça qui rend le personnage très vivant. Et c'est ça aussi qui fait que certains héros de romans qui nous ont accompagnés pendant notre adolescence, qui ont été certains livres, qui ont été des grands moments de rencontre avec la littérature, nous accompagnent, parfois même toute notre vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux quand on est écrivain, d'arriver à créer ça. Pour vous, ça a été quel personnage de roman ? Ah, pour moi, c'est Crime et Châtiment, c'est Raskolnikov. Je trouvais que c'était tellement admirable la manière dont les tourments de cet homme, sa complexité, ses contradictions, ses faiblesses, c'est admirable, c'est tellement bien écrit. On met forcément aussi bien sûr, le personnage, il existe indépendamment de tout le reste, mais on met forcément aussi de ce qu'on est dans un personnage. Oui, je pense qu'on met beaucoup de soi dans un personnage et en même temps, on prend de la distance. C'est-à-dire qu'au début, on met de soi et puis plus ça va, moins on en met. Plus on s'éloigne, plus on le laisse justement être quelqu'un d'autre. Mais bon, quand Flaubert dit « Madame Bovary, c'est moi », c'est ça qu'il veut dire en fait. Évidemment, c'est moi qui l'ai fait. Évidemment, c'est ma sensibilité, c'est ma manière de voir le monde. C'est ma vision que je vous donne. Je vous donne, évidemment, sinon je n'écrirai pas de livre. Ce que je cherche à communiquer, c'est une interprétation du monde qui est la mienne. Mais ça, c'est tout artiste fait ça. Mais malgré tout, au bout d'un moment, le personnage est suffisamment riche pour se détacher et ne plus être un portrait juste. Enfin, là, il y en a quatre. Ils ont tous un petit truc de moi. Mais ce n'est pas quatre portraits de moi. Alors, l'exemple de Madame Bovary est assez révélateur en la matière parce qu'il se trouve qu'au départ, c'était un... Enfin, beaucoup de gens, j'imagine, beaucoup de parmi vous le savent, c'était un fait divers. Donc, c'est ça le point de départ, le fil que Flaubert a commencé à tirer. Et vous, par exemple, pour ce roman-là, Une Paradisium, quel a été le premier fil que vous avez tiré ? En fait, le premier fil, c'était... En fait, j'avais plusieurs histoires. J'étais en train de chercher... En fait, j'avais commencé plusieurs romans. Et j'avais plusieurs personnages. Ah, vous avez plusieurs romans sur le feu en même temps. Bah, il se trouve qu'à ce moment-là, il y en avait plusieurs.
Et j'arrivais pas alors j'en reprenais un, j'abandonnais, je repartais sur un autre. Enfin, c'était un moment confus et difficile. Et c'est un moment de dispersion douloureux, non ? Oui, c'est très désagréable, je confirme. Et du coup, donc j'abandonnais, je me disais non, mais c'est une mauvaise idée. Puis je relisais quelques semaines plus tard, je me disais ah ben non, je ne peux pas laisser tomber, c'est trop bien. Bon, voilà. Et à un moment, je ne sais pas comment est venu, enfin je le sais, mais ce serait trop long de vous l'expliquer ici. Je me suis dit, bon, en fait, l'idée, c'est de mettre toutes ces histoires ensemble et de donner un sens à tout ça par une histoire, une sorte de superstructure qui va tout englober. Et c'est comme ça que tous ces personnages qui existaient séparément sont devenus frères et sœurs. Et l'élément déclencheur, puisqu'il y en a toujours un dans un roman, c'était la mort des parents. Et bon, en fait, normalement, dans le livre, une autre histoire qui était celle des parents et qui expliquait leur cette tragédie était incluse dedans, mais cette autre histoire a pris tellement de place qu'elle figure pas dans le livre en fait. À partir de quel moment on se dit, parce que ça c'est tout le mystère de la création et c'est l'envers du décor qu'on a envie évidemment de connaître en tant que lecteur, à partir de quel moment on se dit tiens on s'y met? Ah ben ça c'est la première phrase qui n'est pas forcément d'ailleurs la première qui figure dans le livre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. À un moment, c'est là, il faut y aller. Ça écrit presque malgré vous ? Ouais, c'est ça. Ça démarre et c'est parti alors qu'on a ramé pendant des semaines, qu'on a essayé. Et tout d'un coup, hop, c'est parti. Et c'est incroyable parce qu'à chaque fois, on est surpris par cette espèce d'élan qui nous emporte et à chaque fois, ça marche. Et à partir de quel moment on se dit c'est fini, stop, ça y est, il est fait? Ah, c'est très long, hein, ça prend beaucoup de temps d'écrire un livre. Donc il y a un moment, puis il y a plein de phases. Il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on n'est pas content, où on est obligé de refaire. Moi, je réécris beaucoup, je retravaille énormément, je jette aussi pas mal, je reviens. Donc c'est un travail de très longue haleine. Et puis à un moment, on sent que la fin approche et moi, ça me fait à chaque fois la même chose. Généralement j'appelle mon éditeur et je lui dis je vais pas du tout tenir les délais, je suis très en retard. Ça, en général, il y a peu d'auteurs qui tiennent les délais. Non mais attendez, je lui dis bon, ça va pas du tout, là j'ai toute la faim, c'est compliqué. Bon. Et il me dit non mais il n'y a pas de problème, tu prends ton temps, tout va bien. Et à ce moment-là, je termine en 3 jours. Et en fait, j'étais tout près de la fin, mais je ne le voyais pas. J'avais le nez collé dessus et je ne me rendais pas compte que c'était fini. Ça y est, j'y étais à la fin. Et j'avais l'impression que j'avais encore tout le livre à écrire. Mais non, c'était juste fini. Et parfois, en l'espace de 3-4 jours, c'est dénoué et le dernier chapitre s'écrit et voilà. Et là, je sais que le livre est fini. Et c'est sous cloche, tenu secret pendant tout le temps de l'écriture, ou est-ce que, au fur et à mesure, vous le faites lire à quelqu'un, à plusieurs personnes autour de vous ? Ah non, moi, je suis super secrète. Personne ne sait ce que je fais, personne ne lit une ligne, personne ne sait même de quoi ça parle. Et vous écrivez sur ordinateur, vous écrivez quoi ? Vous avez... Les deux. Les deux. Alors vous avez un coffre-fort, comment vous fonctionnez ? J'ai un ordinateur. La confiance règne. Ah oui, voilà. Oui, j'ai un ordinateur et j'ai des cahiers, où toutes les notes, je les écris à la main. Non, non, mais moi j'ai confiance, personne ne va venir mettre son nez dans mes affaires. Au fil du temps, est-ce que, puisque ça fait quand même plusieurs années, combien de romans d'ailleurs à votre actif ? Pas que des romans, mais... J'ai publié mon premier livre en 1990, là, donc ça fait longtemps. C'était hier. Voilà, c'était hier, et je crois que c'est le 12e roman, le 11e, je ne sais plus exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a à la fois une cohérence dans votre œuvre, une évolution ? C'est un parcours ? Qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Oui, en fait... On change comme individu, donc on change aussi comme écrivain. En fait, et puis on n'a pas envie d'exprimer les mêmes choses. En fait, je pense que là, j'ai plus envie de parler de thématiques de société. Par exemple, j'ai jamais parlé de notre époque. Tous les livres que j'ai pu écrire jusqu'à présent, c'était des livres qui étaient plus intemporels, qui traitaient juste plus d'une thématique et qui étaient portés par une histoire, mais ça pouvait se passer. On n'était pas à 10 ans près, quoi. Là, on parle d'aujourd'hui. Et je pense qu'en vieillissant, j'avais plus envie de m'inscrire dans mon époque et de laisser vraiment une marque temporelle
Donc, par exemple, les personnages abordent des questions comme la précarité professionnelle. C'est des petites touches, c'est pas toujours un gros morceau du livre, mais bon, l'une des jeunes femmes, l'une des sœurs, elle est anthropologue, mais elle a pas trouvé de boulot, donc elle a monté une boutique de fleurs. Enfin, ça, c'est une problématique terriblement actuelle, quoi. Il y a plein de jeunes très diplômés qui ne trouvent pas de travail. Et elle a un jeune assistant qui l'aide et il est d'origine bengalie. Et en fait, on imagine qu'il n'a peut-être pas de papier, on ne sait pas trop comment il est venu, mais bon, ça n'a pas dû être facile, quoi. Donc, y a des petites choses comme ça. Elle cherche du terrain à acheter pour faire une pépinière, mais elle essaye d'aller à la campagne, mais elle s'aperçoit qu'en fait, c'est très difficile d'acheter de la terre agricole parce que soit il n'y en a pas, soit c'est acheté par des consortiums chinois. Donc, elle découvre qu'en fait, ce n'est pas du tout évident de s'installer. Enfin, des tas de choses comme ça. Là j'ai parsemé le livre de tas de petites notations sur la violence dans le boulot. Son frère il a un très haut poste dans une boîte et il se fait virer du jour au lendemain, il retrouve ses affaires devant la porte de son bureau. C'est des choses qui n'existaient pas il y a encore 20 ans, quoi, et qu'on voit aujourd'hui. Donc ça m'a, c'est des petits détails dans le livre, mais j'en ai mis beaucoup et je pense que ça date le livre et ça montre aussi, enfin, j'avais envie de parler d'une époque. Le rapport à la mort aussi, on est aujourd'hui, la mort, ça n'existe pas. Personne ne doit mourir, personne. Donc on met les personnes âgées le plus loin possible de nous, et puis on fait comme si ils partent en fumée. Voilà. Donc parler de ça, c'était intéressant pour moi aussi. Donc ils se disputent, est-ce qu'on les enterre, est-ce qu'on les incinère, dans quel cimetière, est-ce qu'on ira au cimetière. Voilà. C'est des questions qui sont très actuelles. Comment on traite nos morts, comment on traite le souvenir qu'on en a, leurs affaires. Et ça m'intéressait de parler de problématiques qui nous touchent tous, quoi, qui sont celles de notre société. Moi, je voudrais, avant de vous laisser filer à votre place, là où vous allez signer vos livres, je voudrais évoquer avec vous un très beau livre que vous aviez... que vous aviez écrit avec... en fait, vous aviez recueilli les souvenirs de Théodore Monod. On va peut-être rappeler en deux mots qui était Théodore Monod, avec lequel vous étiez allé, je crois. Oui, souvent, oui. Souvent dans le Ténéré. Et il se trouve qu'hier, on en a parlé avec Alain Beaugrain-Dubourg, parce qu'il a intitulé son œuvre autobiographique « Il faut continuer de marcher », parce qu'il nous racontait que c'est ce que Théodore Monod lui avait dit dans un souffle, alors qu'il était déjà près de la mort, c'était quelques jours avant sa mort, et qu'Alain Beaugrain-Dubourg était allé le voir à l'hôpital. Et il a dit, il faut continuer de marcher, ça lui ressemble bien. Ouais. Racontez-nous cette rencontre, j'imagine que c'est une rencontre comme on n'en fait pas deux fois dans sa vie. Non, ça c'est sûr qu'on ne rencontre pas deux fois Théodore Monod. Mais en fait, ce qui a été très agréable, c'est que moi j'étais très jeune hein, quand je l'ai rencontré. Je commençais ma vie professionnelle, en fait, et on m'avait commandé un portrait filmé, en fait, de Monod. Et je l'ai rencontré et on s'est tout de suite très, très bien entendu. Ça a tout de suite collé entre nous. On avait 60 ans d'écart, mais on a tout de suite su qu'on allait bien s'entendre. Et finalement, ce film s'est pas fait, mais je lui ai dit, comme on avait commencé à bosser et tout, il avait commencé à me raconter. En plus, je suis tombée à un moment de sa vie. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée à un moment de sa vie où sa femme était morte déjà depuis plusieurs années. Il n'avait plus du tout de notoriété en tant que chercheur, bien qu'il soit immensément connu par la communauté scientifique, mais il avait déjà 85 ans, donc il n'avait plus autant d'audience dans la communauté scientifique, et il était en train de devenir aveugle. Et à ce moment-là, je suis arrivée. Et il a commencé, ce qu'il n'avait jamais fait dans sa vie, à se raconter. Et donc, on a écrit ce livre d'entretien. Ça a été un moment merveilleux, génial. Livre, hein. Ouais, en fait, après, je me suis rendue... Enfin, beaucoup de gens m'ont dit que c'était un livre qu'ils avaient beaucoup marqué. C'est un livre qui, au bout de 30 ans, se vend encore. Et j'ai appris ensuite qu'il était considéré par les universitaires comme un modèle du genre de livre d'entretien. Mais c'est aussi parce que je pense... Enfin, moi, je l'explique comme ça. Il y a ma voix, parce que c'est moi qui ai construit le livre, qui l'ai agencé, etc. Il y a celle de Théodore. Et puis, la troisième voix, c'est notre relation, en fait. C'était l'amitié qui nous liait. Donc après ce livre, on est parti donc faire une traversée du Ténéré à chameau et à pied. Et puis après, on a fait trois ou quatre autres voyages ensemble dans le désert. C'était génial. Et on se voyait, je sais pas, toutes les semaines.
jusqu'à sa mort. Quoi, voilà. Et il me manque beaucoup, en fait. Parce que c'était un merveilleux ami. C'était quelqu'un d'abord d'extrêmement original, puis qui avait eu une voix, une pensée. Enfin, on s'accordait sur beaucoup de points. Merci beaucoup, Isabelle Jarry. Merci à vous. Merci, Patricia.